Ce soir dans Cauchemar en cuisine, pour la première fois, Philippe Etchebest ne sera pas seul. Pour le seconder et l'aider à sauver un nouveau restaurant, il a fait appel à Mallory Gapsy. Les habitués de Top Chef reconnaîtront le jeune candidat talentueux originaire de Belgique, découvert dans la saison 11 du concours culinaire. Ce soir dans Cauchemar en cuisine, pour la première fois, Philippe Etchebest ne sera pas seul. Pour le seconder et l'aider à sauver un nouveau restaurant, il a fait appel à Mallory Gapsy. Les habitués de Top Chef reconnaîtront le jeune candidat talentueux originaire de Belgique, découvert dans la saison 11 du concours culinaire. Le jeune homme intègre donc l'équipe de Cauchemar en cuisine et aura la lourde tâche d'épauler le chef dans sa mission. Si le MOF s'occupe toujours de l'état des lieux des établissements, Mallory de son côté doit vérifier que les conseils du chef sont bien appliqués, soutiendra les restaurateurs dans l'élaboration de leurs nouvelles recettes à mettre en avant sur leur carte. Mais depuis 2 ans, le chiffre d'affaires ne fait que baisser et, aujourd'hui, les dettes s'accumulent. Que ce soit en cuisine ou en salle, le chef s'est vite rendu compte qu'il avait mis les pieds dans un joyeux bazar. Accueil en jogging, produits surgelés, tension latente entre le père et son fils, Philippe Etchebest va devoir donner beaucoup d'énergie pour que Jean-Jacques et Johan ouvrent les yeux et affrontent leurs problèmes, sinon leur restaurant va fermer et leur famille exploser. Cauchemar en cuisine, lundi 4 janvier à 21h05 sur M6, Thierry Claude.